Qu'est-ce que c'est? Du manioc. Mmh. C'est chic, hein. C'est Bleu, Bleu même qui donne les instructions. Bonjour, 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 bonjour. Par un œuf. On dit quoi? C'est bien ça. Marcelin, faut faire descendre Koulibaly dans tout là, elle va crêper. Pardon. Koulibaly, descends, tu as montré comment on crêpe. Bonjour, bonjour, bonjour. En tout cas, ça bouge. Si la mille n'est pas là, ils vont tailler. Voilà, donc nous sommes en train de couler les poteaux. Fort, fort, fort pour les villages duplex de Yamsoukro. Là. Couler les poteaux pour faire le chaînage haut. Marcelin avec son équipe. On dit quoi? Aujourd'hui, on va boire café pour toi. Hein. Ouais, c'est normal. Il faut qu'il te dise la vérité. Bien sûr, vous allez boire café. D'accord. Je suis là. Force. Ouais. Tu choisis un entre les deux là. Le liqueur. Liqueur, non? T'inquiète, tout de suite même. Vous avez payé ça en ville là-bas, non? Tout de suite même. Berthe, c'est toi qui es là-bas en haut. C'est bien. Donc voilà, le crépissage des forces sceptiques. A été fait le crépissage, les poteaux. Donc, après, on va faire la dalle. Donc, ici, normalement, c'est une cour ouverte. Hein. C'est le garage qui est là. Et voilà. Donc, la maison commence à se dessiner. Ici, c'est la voie. Là, c'est la petite cour. Il aura le portillon ici. Ici, il aura le portail en rideau. Voilà. Il faut savoir optimiser l'espace. Donc, ça, c'est la cour, la petite cour avant. Et puis là, on a l'entrée principale du salon. Ça, ce sont des fers 12 hein, pour faire les poteaux. Voilà. Donc, il y a le salon qui est là. Ça sera des cuisines européennes, des cuisines ouvertes. Voilà. Donc, l'escalier sera là pour aller en haut. Et puis, c'est la cuisine qui est là. Donc, ça sera la chambre du bas. Voilà. La chambre du bas est ici. Avec toilette pour les visiteurs et pour cette petite chambre-là. Et en haut, vous aurez les deux grandes chambres avec la chambre principale, les deux grandes chambres autonomes, la chambre principale avec ta. Et derrière, ici, pour chaque village duplex, à sa cour derrière, pour aménager, avoir un jardin, tout ça. Il y a cette clôture qui est déjà faite. Voilà, donc derrière, chaque village duplex a une cour arrière. Voilà. Donc là, nous sommes en train de couler les poteaux pour faire le chaînage haut. Voilà. Koulibaly! C'est quelième jour? Combien de semaines maintenant? Ça fait 4e semaine. Quatrième semaine. Donc, ça ne vaut pas encore un mois, c'est ça, non? Ça fait un mois maintenant. Ça fait un mois. Vous avez quatrième semaine. Semaine, là, il y a les jours. Quelième jour de quatrième semaine? Lundi, ça fait quatre semaines. Ça fait quatre semaines. Donc, ça fait un mois, le chantier. C'est ça? Vous avez commencé ici directement, hein? Oui, voilà. Donc, ça fait un mois que nous sommes là. Une fois on finit le chaînage haut, on va faire la dalle. Voilà, commence la dalle et puis bon. Donc vous voyez, ça c'est un alignement de trois villas duplex. Voilà. Et de l'autre côté, on a commencé. Donc voici un peu comment les choses avancent. Il n'y a pas de repos, c'est non-stop. Non-stop. Voilà. Non-stop. Marcelin même est là, il dit qu'il veut boire liqueur aujourd'hui. C'est bien. Ouais, aujourd'hui là. Le Koulibaly, t'as pas trop fatigué? Non. D'accord.
Et le vieux n'est pas arrivé aujourd'hui. Non, bon, il est sur le chantier. Il est sur votre chantier. Voilà. Donc ici, il y a quelques jours en arrière, c'était manioc qu'on avait planté ici. Hein. Koulibaly. Mon champ de manioc. Hein? Les manioc voici voici nos stagiaires du BTP. Les techniciens supérieurs. Ah, et puis, ça m'étonne hein, que c'est Koulibaly qui était notre délégué. Hein? Monsieur, tu ne viens pas aujourd'hui? Vas-y, son adjoint là-bas. Bleu, tu te caches. Non. Hein? Non. On dirait le teint sort un peu. C'est bien ça. Oui. Ça ne sort pas. Ça se dégrade de jour en jour. Ça va aller. Voilà. Donc, c'est le moment de vous dépêcher pour ne pas être en retard. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est Ayam Soukro. Voilà. Donc pour ces deux villas aussi, du place que nous faisons ici, toutes les fouilles aussi sont déjà finies. Il y a les bétons de propriété qui ont été déjà coulés pour recevoir les semelles des poteaux. Voilà. Donc, il n'y a pas tant. C'est de la bonne qualité. Voilà. C'est des vraies constructions que nous sommes en train de faire. C'est pas du jeu. C'est pas les trucs à vendre où les gens font des trucs que je dirais banabana ou bien à main levée là, non. Vous voyez tout ça là. Donc, une fois on va finir le coffrage de l'autre côté. Finir le coffrage pour faire le chaînage haut. Mais on va passer ici pour commencer à faire la fondation. Voilà. Donc, si tu n'as pas encore souscrit, mon frère, il faut nous appeler pour ne pas rater toutes ces opportunités-là. Vous savez, quand il y a les opportunités au départ, là, les choses traînent un peu. Il y a des gens qui sont un peu loulous pour se décider. Et les premiers, ils en bénéficient. Mais lorsque on passe à la vitesse supérieure et que la demande devienne plus que l'offre, mais rassurez-vous, hein. Nous sommes des commerçants, hein. Voilà, rassurez-vous. Tu as une marchandise qui est convoitée par tout le monde, mais bien sûr que le prix va grimper. Donc, c'est le moment. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique. Donc, très bientôt, vous verrez aussi les vidéos comme ça, des chantiers de nos villas basses. Voilà, c'est hier qu'on a lancé la vidéo. On est déjà à 5 souscripteurs. Et puis vous verrez très très bientôt des vidéos comme ça. Mais on veut déjà arriver au, par exemple, 10% des travaux là. Et puis on va vous les filmer comme ça pour vous présenter. Voilà. Merci.